Cantique de Mahalot, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. Proverbe 127, 1. L'homme de sa naissance à sa mort ne cesse de se construire. À l'école, il se construit un avenir, au travail il bâtit sa vie. Il fonde un foyer, cherche la stabilité, le meilleur pour sa vie et sa famille. Parfois une stabilité financière ou de la reconnaissance des autres. Cette vie, qui est construite chaque jour, dans la souffrance, la fatigue, les épreuves, l'angoisse parfois, produit aux yeux des autres personnes, dans certains cas, de l'admiration. Une famille parfaite dira-t-on, une belle maison, de belles voitures, des enfants qui réussissent à l'école, un épanouissement dans la vie professionnelle. Mais cette vie sans le Seigneur est baroblique ou avec des valeurs chrétiennes mais sans fondement ni obéissance totale à Christ est vaine. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur le sable et non sur le roc qui est Jésus-Christ. Matthieu 7h24. Une maison bâtie sur le sable, dès la moindre secousse, épreuve, attaque spirituelle, sera renversée, dès le moindre tremblement de terre, elle s'effondrera. Nous devons bâtir notre maison sur le roc. Bâtir notre vie sur Jésus-Christ seul et à sa parole. Ne pas regarder aux choses de ce monde qui sont périssables, ni aux choses extérieures mais au roc. Ce rocher qui est le fondement de nos vies et qui nous fera jamais tomber au point d'être détruit. Ne regardons pas aux choses qui brillent, ni à cette fausse lumière que propose le système impie de ce monde mais à notre Elohim qui revient très bientôt nous chercher pour la gloire éternelle.